Bonsoir à tous les amis, c'est Valmore 333 et à la pâche, où tu vas comme ça, où tu... reviens ici. Non, je veux me prendre un paquet de chips. Eh ben, fais comme tu veux ma salope. Et aujourd'hui j'ai envie de dire, je dédie cet épisode parce que j'ai vu ça aujourd'hui, je me suis dit, oh, je vais penser à eux un petit peu. Je dédie cet épisode et cette session entière à tous les apéirophobes. Alors pour ceux qui savent pas, toi hein, tu as regardé un jeu tout à l'heure. Non, absolument pas, j'ai vu ça aujourd'hui par hasard. Les apéirophobes, c'est tous les gens qui ont peur de l'infini. Ah bah oui, ah bah. Alors voilà, je dédie cet épisode à tous les gens qui ont peur de l'infini et je le dédie en faisant ceci. Oh 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 oh. Attends. Je crois que la dame a compris. Bien, chers amis. Apache, est-ce que tu es là? T'es là, c'est bon. On y va. On va changer nos vêtements comme d'habitude à chaque début de session, chers amis, c'est la gratuité. Toujours. Ah bah tout à fait. Oh tiens, la petite manuelle de l'infini. Oh, je la mets dans le garage. Twinkle. Ému, elle s'appelle. Ah putain. Prends la bonne porte, ma salope, avant. Vas-y. C'est bon. Ton nez. Attends. La ému est maintenant dans le garage. Ah, vas-y, prends ta voiture, je réponds. Alors attends. Tu te crois invincible, hein, on te défie. Va les retrouver au point de rendez-vous et on verra bien qui a les jetons. Bah, si c'est un Planet Saint ou un Nobody Loves Me ou un truc comme ça, moi je veux bien. Oh, la musique! C'est quoi? Tu l'entends la musique dans le garage? Non. Je sais pas si YouTube il va bien vouloir, mais en tout cas, c'est de la musique, chers amis. Oh, c'est fou. T'écouteras ça quand tu regarderas la vidéo, ma salope. Mais YouTube, il va bullshiter. Allez, vite, dépêche-toi parce que YouTube. Attends, une seconde, j'améliore quelques trucs sur ma voiture. Ah, parce que. Bah, elle est là, moi je la vois ta voiture. D'ailleurs, je vais te la piquer. Non. Ah, je peux pas y toucher. C'est marrant. Hop. C'est marrant, t'as changé des trucs? Parce que là, elle a pas changé. Bon. On va sortir parce que YouTube, il va bullshiter s'il entend ça. Parce que YouTube, dès qu'il entend que Pouic. Vous avez contenu appartenant à un tiers et là il te met 2 points le boulgour. Donc faut pas dire que puis. Oh, ça c'est beau. Oh, ça c'est beau, les amis. Allez, vite, magne-toi. Là ça fait déjà des minutes en moins pour les viewers pour leur première vidéo de cette session. Faut pas qu'on fasse du que puis. Vas-y, sors ta bagnole. Ah, ça y est, là je vois qu'elle a changé. T'as mis des néons et tout, c'est la classe. Moi je reprends ma neuron. Je sais pas où elle est. Elle est là, ma neuron. Le feu est vert, dépêche-toi. Je suis là. Alors attends, je nous signale un magasin de vêtements classe où on n'a pas encore été. Moi je prends mon fric. Tiens, on n'a pas été là. Laser and Lace. Ma salope. Je l'ai signalé sur ton radar. Putain, la vache, c'est loin. Ouais, mais on l'a pas encore. Ah, attends, il y a une séance photo là-bas. Où ça? Je vais aller la faire. Je crois qu'elle va compter pour toi, je suis pas sûr. Elle est où? Au pire, peut-être tu pourras la faire aussi. Là. Séance photo. Monsieur, s'il te plaît. Voilà. Oh putain, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Pendant ma séance photo. Oh! Oh! Il était déjà mort! Attends, on les poutre là, c'est quoi ça? On les poutre! Putain, c'est des flics, putain, ils vont tout nous boulgoriser. Oh! 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 Où est-ce qu'il y a de la police? Où est-ce qu'il y a de la police là? Où est-ce qu'il y a de la police? Moi, je reprends ma voiture. Oh, boum! Dans le testiboule! Prends ta voiture, sinon ils vont tous la boulgoriser. Non, elle est blindée, ma voiture, y'a pas aucun problème. Ah merde, y'a un hélico! Je m'en charge! J'ai le lance-roquette! Je vais la garer parce qu'ils vont toutes me la péter. Elle est où, ma voiture, au fait? Ah, elle est là. Allez, viens, vite, on y va. Tu l'as vu sur ton radar, c'est bon? Tu l'as signalé? Je me dirige vers le point en question. Nitroglycérine! Merde, par où je vais, moi, n'importe quoi.
Alors attendez, je regarde vite fait sur mon radar si elle est bien là. Ouais, parfait. Chers amis, ça va être la session de l'infini. Et je vous l'ai dit, c'est pour les apéirophobes. Tous les gens qui ont peur de l'infini, eh ben vous n'aurez plus peur en regardant cette session de synthro. Je serais pas passé entre les deux. Tiens, ça c'est la vérité. Putain, ils me tirent dessus, ils me poursuivent, les salopes. La musique. En fait, est-ce qu'on peut récupérer... Oui, on peut récupérer notre argent, ma salope. Bah, c'est ce que je t'ai dit au début de partie. Hein. Ouais, bah, j'y ai pas pensé. Putain, ils me poursuivent, les saloperies. Il y a quelqu'un qui me tire dessus, mais... Ma voiture, elle est blindée, donc... Ah bah, c'est bien, on est presque au même point. Du coup, on va arriver en même temps, presque. Moi, j'y suis, c'est bon. D'ailleurs, mon radar, il a boulgourisé l'infini, là. Je l'achète et je me mets dedans pour enlever la... La recherche. Moi, je regarde dans la rue, ma voiture. Faut que tu rentres aussi, apparemment, parce que je suis toujours recherché. Du coup, moi, je commence à m'acheter des vêtements. Alors... La dame, elle a fait un bruit bizarre quand j'ai mis le magasin. Putain, ils sont dans le magasin, les bâtards. Eh ben, on les foutre. Hop. Bon. Hop. Hop. Gratuité, gratuité, gratuité. Cadeau. Voilà, je pense que... Respect. Attends, faut qu'on ressorte et qu'on re-rentre. Lui, il a pas compris qu'il fallait qu'il boulgourise. Et là, on re-rentre. Et c'est bon. Haut du corps, bustier. C'est les vêtements pour femmes. Non, mais il y a l'air d'avoir des vêtements classe ici. Ah ouais, celui-là. Haut de cuir dedans. Ah ouais, elle est belle, celle-là. Oh, les lunettes, il y en a des pas mal. Lunettes, lunettes de soleil de pervers. Eh ben je prends. Non, moi je reste comme je suis, je sais très très bien. Par contre, je vais peut-être prendre des nouvelles lunettes s'il y a. Ouais, lunettes de soleil de pervers, elles sont pas mal. Ah, je les prends. Je les ai prises aussi. Alors attends, armure, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais... oh, regardez, chers amis, des vêtements pour femmes. Mais je sais, y'a que ça. Chemise fièvre de la disco, c'est pas mal. Ça a la classe. Je verrai si je la prends après. Oh, en cuir de gang. Pour une femme, ça doit être la classe. De motard. Des vêtements de motard, c'est pas mal. Et ben moi, je vais prendre fièvre de la disco. La chemise est vraiment pas mal. Après, les amis, vous direz ce que vous voudrez. Moi, je la trouve classe, cette chemise. Bon, ça m'énerve. Est-ce qu'il y a des sacs à dos, tiens, pour changer un peu de nos boulgours Non, c'est rien de très intéressant. Chers amis, regardez ça. Ah, c'est fou. Un pantalon qui est classe et qui va bien avec. Pantalon Boom. De béquille. Mais c'est le dropkick dans la tête. C'était gratuit. Bon, du coup, je vais me mettre... Est-ce que comme chaussure, il y a quoi tu comme chaussure? Des trucs un peu classe, là, qui pètent. J'ai 1000... j'ai environ 1200 de chargeurs dans ma mitraillette. Botte de sadomaso. Bon, alors... Attends-moi, ma salope. Je finis de m'habiller, de me vestir. Garde-robe. Alors, je vais regarder ça. Ça me sert pas, capacité, non. Oh, c'est la classe, là. Ouf. Je vais porter les chaussures de jeune rebelle, les bottes de jeune rebelle, parce qu'elles vont bien avec mes... Ok. Eh ben c'est la classe, ça, chers amis, c'est la classe. Et vous savez quoi, je vais l'enregistrer, on va l'appeler... Pimp 3. Oh. Mais non, mais faut pas. Et voilà, et regarde ça, ma salope, où est-ce que t'es? Regarde-moi.
Attends. J'ai opté pour la petite chemise de disco. C'est la classe. C'est bien. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Qu'est-ce que tu regardes? Tac! Moi? Punch! Ah. Punch! 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 Tu vas faire dodo. Bon, je t'attends. Je finis un truc. Voilà. J'ai fini. Il y avait une petite salope. Je m'en suis occupé. Alors, je rentre dans ma voiture qui est un peu boulgourisée et je nous active une mission. Je t'attends. Je suis prêt. Qu'est-ce qu'on va se faire ? On va se faire... Tu sais que c'est interdit de doubler par la droite, connard ? On va se faire ça. C'est parti. J'y vais. Vas-y, je te suis, ma salope, je te suis. Oh putain. No time. What for? Ah mais sa voix de boulgourisé. Sa voix de bullshit, je dirais même. Oh, c'est le bullshit ce qu'on est en train de faire là, chers amis. That felt good. Ouf. On conduit comme des maladifs. Eh ben je suis là aussi. C'est parfait. Ma voiture elle sera là comme ça. Voilà. De toute façon on va prendre la sienne donc. That is one ugly fucking painting. J'avoue c'est moche. You fucking Philistine. What you know about art? That's a De Winter Sisters original. But that back in the day when me and the twins were all live and let live. Well, seeing as how we just let them know we're taking over their business, I doubt that deal's gonna hold. Shit. Remember the pony show? I've been off that Christmas list a long time. Anyway, I didn't call you over to talk about me. You killed Philippe. Ah oui, c'est vrai qu'on a buté Philippe Laurent. Rappelez-vous. Session précédente. I am Philippe Laurent. Sherman. Once the work's done, I'll call you when I make another move against the Morningstar. Oh, la chemise, la chemise, chers amis. Ah, c'est pas une mission, c'était juste pour nous dire qu'on avait fini cette partie-là avec Zemus. Bah du coup, j'active la suivante, ma salope. Ouais. C'est avec la guerre de Troie avec Shandy. Bah c'est parti, va à la fête. Ouh, ça sent pas bon, ça. Une fête. Allez, c'est parti. Oh, j'ai écrasé la dame. Ni trop. Head back to the flat. We'll figure out what's going on. Don't get ahead of yourself. Allez, ma salope. On appuie sur le champignon. C'est ce que je fais. Putain, la route, elle est à nous, là. Y'a personne. La voiture de la police. La voiture de la police. Go. Ah, là, faut tourner, ma salope. Faut que tu reviennes du côté de la route. Putain. Non, c'est bon, en fait. Ouais, t'as pris dans l'autre sens. Oh, je t'ai entendu déraper, ma salope. C'était beau ce que t'as fait. Mais il y avait un bâtiment, on aurait dû en profiter pour l'acheter. Oui, bah c'est pas grave, on l'achètera plus tard. Ouais. Voilà. Ah, 300 mètres, je vois d'ici. En fait, il faut qu'on retourne au QG, quoi. Ça y est, on y est, chers amis. Voilà. Oh, c'est beau ce que j'ai fait. Tout moi, à fait. Je prends tout le temps les contre-sens, ça fait monter les points. Ouh, il y a du boobs là. Là, je crois que c'est complètement interdit ce qu'on est en train de faire. Forcément, forcément, il y a Shandy. When you say it like that, sure sound bad. I was settled up in a human pony show. Will you see me crying about a little girl? I swear to God, I will shove that thing down your throat. Whoa, Shandy.
Chundi, il est vénère. Eventually, you gotta get back on the horse. No offense, brother. He's right. Whatever. Oh, la pauvre Chundi. Et si tu veux, Chundi, je te poutre quand tu veux. Mais reviens. Gros plan. Oh, c'est fou, là. C'est complètement illégal, là, ce qu'on est en train de montrer. Oh, des infirmières. Et nous, on prend du bon temps. Que ça fait plaisir. Bah en même temps on a poutré du monde, alors c'est bien mérité. On a poutré Philippe Laurent. Oh là là, Pierce. Oh là là. Pourquoi c'est lui qui a le droit? Pourquoi pas nous? Ah bah non, en fait non. Tant mieux que ce soit Pierce. Gratuité. Oh. Comment il s'est plié en deux. Oh putain. Les prostituées se rebellent. Bon bah va falloir qu'on gère le problème. À la source, ma salope. Oh la vache, ah ça va être chaud là. Et je te rappelle que c'est pas la tête que tu vises quand il s'agit de prostituer. C'est pas la tête que tu vises, des couilles sur le front. Tiens, mange. Dans les boobs, c'est le point faible. C'est le point faible, les boobs. Putain, y en a plein là. Oh la vache. Boum. Putain, ils ont des fusils à pompe, les salopes. Outré. Oh, elle a la jarté. Oulala, j'y ai mis un coup là où il faut pas, ma salope. Et par là où il faut pas, j'entends l'endroit que tu penses. Oh non. Aussi. Ah, il y a une scène qui est avec nous. D'ailleurs, il y en a pas mal dans la baraque. Ils vont pouvoir nous donner un petit coup. Putain, dehors, il y a du monde. La prostitute dans les boules. Putain, il y en a plein là. Moi, je suis détaché dessus. Vas-y, ma salope. Je m'occupe du rez-de-chaussée, enfin de ce qui reste du rez-de-chaussée. Ah merde, j'arrive. Ah non, ça doit être Pierce. C'est pas toi. Oui, c'est Pierce en haut. Va en haut vite. Non, j'y suis. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais, Pierce? Tu te fais poutrer par des prostitutes. Comment ils se dandinent par terre? Allez, viens, mon cochon. Hop. Bon. Attends-toi, je t'apprends le respect. Je vais me mettre au corps à corps un peu parce qu'elles sont en carton. Tiens. Ah bah t'as déjà tout foutré, j'ai même pas eu le temps de faire le dérouillage de l'infini. Ah, ils ont coupé l'électricité, les salopes. Par terre. Coup de pied, il faut que t'arrêtes de me tirer dessus, ma salope. Tu m'as enlevé pas mal de bébés là. Never a dull moment. Boum, dans la tête. Il faut qu'on protège Pierce, mais pourquoi c'est ça notre objectif? Prends un fusil de sniper. Ouh là, ça fait plaisir ça. Tiens, coup dans ta tête. T'as le snipe, ma salope? Non, je l'ai pas, moi. Il faut qu'on monte sur le toit avec. Récupère-le. Je l'ai, le snipe. En fait, je l'avais déjà dans mon inventaire, ce snipe. Donc ça, ouais, sert, c'est à... le Togo 13. Ça sert à... Non, c'est pas le Togo 13, c'est l'autre. Ouh la vache, y'a des snipes partout, ma salope. Ramène-toi. Des tireurs embusqués sur tous les toits. Pour moi, celle-là. Boum. Putain, t'as pris le Togo 13, toi. Ouais. Putain, j'adore le bruit qu'il fait, celui-là. Tiens, celle-là. Boum. Ça y est, ah, la salle d'entretien maintenant. Une petite séance de shooting pour moi et mon ami à la pâche. Hein. Parce qu'il faut qu'on s'entraîne, hein, pour rester des dieux, il faut toujours s'entraîner. Toi, tu lâches nos... Bah voilà, j'écouterai les deux comme ça. C'est où la salle d'entretien, ma salope? Tu l'as trouvé? Il y en a encore partout, des prostituées, ah, là. Je sais où c'est. Là, il y en a une. Putain, merde, c'est pas là. Toi, tu manges le sol. Toi, tu manges le sol aussi. Mais avant, tiens, les couilles sur le front. Hop. C'est bon, je l'ai trouvé, moi, la salle d'entretien. Ici. Ils sont où, le bureau et la chaise? Ah, il faut remettre le courant. Je m'en occupe. Je te protège. Vas-y, je suis en train de taper sur le petit clavier. A little busy, Oleg. You have to cancel the party. Ah, c'est vrai qu'il y a Oleg avec nous. You don't say. So it's over. Tic 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 tic. Y'a plus personne, c'est bon? On a poutré tout le monde. Moi, non, tiens, l'arme anti-aérienne. Comment ça?
Comment ça, anti-aérienne? Je crois que je l'ai déjà en fait. Oui, je l'ai déjà ce truc là. Oh la vache! Ils sont en train de bousiller notre baraque, ma salope! On peut pas laisser. Pour moi. Vas-y, vas-y, je te le laisse. Fais-moi un beau truc. Un beau truc, un beau truc. Ouh, c'est beau ça. Ouh, c'est beau, ma salope. Attends, celui-là, je me le fais s'il arrive un jour. Ah, il y en a deux. Celui-là, je m'en occupe. Ah merde, loupé. C'est bon. Occupe-toi de l'autre. Attends. Putain, il y en a encore des prostituées. J'adore comme elles sont habillées. Hein. Putain, mais il me tire dessus, cet hélico-là. Il y en a un au-dessus de toi, ma salope. Attends. Je sais pas si tu sais, moi, je suis sur le toit. Je te voyais à peu près, mais il y avait du monde, ma salope, en bas. T'aurais dû rester en bas. Des putes tueuses. Elles ont raté, de toute façon. Ouais. Tell me something, Matt. Did you have a plan? How about you, Eddie? There's a reason. Il aime pas qu'on l'appelle Eddie. Il devrait peut-être pas. We're done here. Ouf. Relax. You only need one. Viola. Oh putain. C'est plus des jumelles. Oh, bah elle est l'unique maintenant. Ah oui. Ouh, c'était violent. La pauvre. Tu t'imagines? Elles sont pareilles! Elle a perdu sa moitié en fait. Ça me fait penser à un film, ça, ma salope. Et comme elle va jamais accepter ça, dans le film que j'ai vu, ma salope, elle est passée du côté gentil. Je te parie qu'elle va venir de notre côté. Oh, ça fait plaisir. Un peu de respect. Hélico armé, ouais, ça fait plaisir ça. Le level qui vient avec. Je sais pas ce que ça vient foutre dans le contexte, mais on l'a gagné. Le level qui vient avec, ça fait plaisir. Tout est bon. Dans le cochon. Pas que. Bah si, beaucoup. Ah non. Alors, de l'argent. Gratuité. Alors, est-ce qu'on peut s'acheter certaines petites capacités? Ça, je prends. Ouais. Ça coûte cher, mais je m'en fous. Ça, je prends aussi, même si ça coûte cher. Bon, je prends ça, ça va m'aider. Oh putain, vache, c'est cher ça. Ça, je prends, c'est sympa. Putain, ça coûte cher hein, ce qu'on achète là en ce moment. Ouais. Que dirais-tu d'aller faire une petite séance d'achat de bâtiment avant de faire une nouvelle mission? Ouais. Allez, on y va. Alors je vais me commander un hélicoptère. Ah bien. Moi je prends ça. Alors attends, je vais nous repérer un bâtiment pas loin qu'on n'a pas acheté. Tiens, on en a deux là. Un bâtiment et un commerce. Oula. Tu sais que ça comptait comme une esquive ce que t'as fait là? Ben oui. Bon, on va où? Bah tu me suis au pire. Je vais normalement. Je vais pas trop vite. Normalement tu peux me suivre. Tiens, moi je vais me poser gentiment. Parce que j'aimerais bien pouvoir le reprendre après l'hélico. On se pose gentiment, doucement. Voilà. On s'arrête et on achète ce bitonio de l'infini. Et on poutre les petites dames qu'il y a devant. Tiens, relève la tête. Voilà, on s'est expliqué convenablement. Le mec, il a fait un tour sur lui-même avant de se prendre le punch de sa vie. Attention, j'aime pas la police. 1000 par heure, ma salope, ça coûte cher, mais ça nous rapporte. Sors de ta bagnole, toi. Ah, tu veux jouer à ça? Tu veux jouer? Qu'est-ce que tu fais, ma salope? Tu me fais mal, là. Ah, mais tu me dis rien. Là, ça, c'est pour la vengeance. Et ça, le snipe, c'est pour toi, ma salope. Là, boum. Vite, on se casse, il y a trop de monde.
Putain, ma moto! Ils t'ont foutré ta moto? Et mon hélico, dis-moi qu'il est toujours là, mon hélico. Il est là. Vengeance. La tête par terre! Putain, on est recherché là, ma salope, faut vraiment qu'on se tire. L'hélico, je m'en occupe. Mais non, c'est le mien, ma salope! Mais je le prends. Voilà. Vas-y. Y'a rien d'autre qui nous suit là? On va où? Bah, il y avait un bâtiment pas loin, un rim job. Juste à côté. Ouais, par là, ouais. Marque-le. Non, mais y'a pas besoin, tu vas tout droit et on va. D'ailleurs, on le voit en face, regarde, on le voit juste en face là. Ouh la vache! Ouh la vache, ma salope saute! Oh putain de merde! Comment je tombe? J'arrive. Putain, j'ai mal. Je vais décéder, moi. Non, je suis là. Oh, putain, on m'a écrasé en bagnole. Putain, j'ai mal. Allez, viens. Ouh, ça a bugué là. Ouais, ça a bugué, mais on s'en fout. Et vous, quand est-ce que vous comprendrez que. Merci pour la voiture de la police. Non, fais pas péter. Je suis dessus là. C'est la voiture, alors fais pas péter. Tu me dis quand tu te bats. Hein. Vas-y, ton poulpe, tu peux le faire exploser, ma salope. Ça a tout fait péter là autour. C'était très beau. C'est bon, j'ai acheté le rim job. Qui c'est qui me tire dessus là? Vous cherchez la merde, vous allez la trouver. Si je m'énerve et que je prends des armes, ça va commencer à poutrer dans tous les sens. Toi, t'as rien à faire là. Putain, attends, j'achète le bâtiment. Je m'occupe de l'hélico. Il est où l'hélico? Là. Merci. Ah, y a une voiture qui ressemble à la tienne là. That was a nice workout. Moi je veux lui là. Boum! Boum! Lève la tête! Boum! Putain,